Dans ce tutoriel, nous allons voir comment télécharger et installer Audacity. On clique sur le lien suivant. Une page s'ouvre. Vous cliquez sur le lien Audacity for Windows et ensuite sur ce lien Audacity Installer. Une fenêtre s'ouvre. Vous confirmez en enregistrant le fichier et le fichier va s'enregistrer ici dans votre page de téléchargement. En fonction de votre connexion, le téléchargement sera plus ou moins rapide. Ensuite, il vous suffit d'ouvrir le dossier et de double-cliquer sur le programme pour pouvoir l'exécuter et l'installer. Vous l'installez en français, vous dites OK, vous faites suivant, suivant, suivant. Alors, il existe déjà parce que je l'ai déjà installé. Je dis suivant, installer. Et le programme va s'installer tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez installé le programme, il vous suffit d'installer la lame MP3. Donc, on clique sur le lien, on clique sur la page de téléchargement. Ensuite, ici, on clique sur ce lien et on enregistre le fichier de la même façon. Il va se télécharger, vous voyez, comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à ouvrir le dossier pour pouvoir double-cliquer dessus et installer votre lame MP3. Donc ici, on clique sur « Suivant », on fait « Terminer ». Audacity se lance. Vérifiez que votre micro est le bon. Et ensuite, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge pour démarrer l'enregistrement. Nous pouvons faire notre enregistrement et quand on veut arrêter l'enregistrement, on clique sur le carré jaune qui indique stop. Si on veut améliorer son fichier, on le sélectionne, on va amplifier un petit peu, on dit OK. On va mettre un petit effet de compresseur pour que la voix soit plus agréable. Ici, le seul paramètre à changer, c'est le ratio et vous le mettez à 4 pour 1. Comme ceci. Ensuite, on fait fichier, exporter l'audio et on le met sur le bureau. On lui donne un nom. Par exemple, mon fichier test. Vérifiez bien qu'il est au format MP3 et non pas WAV. Et vous l'enregistrez et vous confirmez. Voilà. Nous venons d'enregistrer notre premier fichier son.